Bienvenue pour cette nouvelle leçon de numération. Nous sommes en mathématiques CM1, CM2. Il s'agit de la leçon NUM 2, écrire les nombres en lettres. Et voici la version commentée. Allons-y. Pour cette leçon, il y a simplement deux compétences. Première compétence, je sais écrire un nombre en lettres. Deuxième compétence, je connais les règles d'écriture des nombres en lettres. Ça veut dire qu'on est à la frontière entre la numération et l'orthographe, puisqu'il s'agit d'écrire des nombres. On est en numération. Il s'agit de ne pas faire de faute d'orthographe, et là, évidemment, on bascule dans l'orthographe. On relit les règles. Alors, la première règle, qui n'en est pas une, pour écrire un nombre en lettres, il faut utiliser tous les mots disponibles. Donc, les mots, il n'y en a pas une infinité, il y en a quelques-uns, et il faut connaître leur orthographe par cœur. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 1000, millions, milliards. Grâce à ces mots-là, on est capable d'écrire tous les nombres qui nous intéressent à l'école élémentaire. Donc tout ça, c'est à apprendre. Là, c'est de l'orthographe pure, hein, il faut les retenir. Ça veut dire que si on ne les connaît pas, si on fait des fautes d'orthographe là-dessus, il faut les apprendre avec les différentes techniques. Hein, on se les fait dicter, on les recopie, etc., etc. Mis à part ces mots-nombres, on appelle ça comme ça. Il y a quelques règles très importantes quand on écrit un nombre en lettres. Donc lorsque j'écris un nombre en lettres, je fais attention à, première règle, mettre un tiret entre tous les mots du nombre. Alors il y a plusieurs façons de faire. Certains enseignants ne mettent pas de tiret partout, certains en mettent. Nous, on va en mettre de partout, c'est beaucoup plus facile et plus simple à comprendre. Donc par exemple, si j'écris 27, je mets un tiret entre les deux mots qu'il y a, 20 et 7. Si j'écris 281, je vais mettre un tiret entre tous les mots. Entre 2 et 100, entre 100 et 4, entre 4 et 20, entre 20 et 1. Donc première règle, je mets un tiret entre tous les mots du nombre. Deuxième règle, on va mettre un S à 100 et à 20 seulement s'il n'y a rien après. Et, très important, s'ils sont au pluriel, ça veut dire que s'ils sont au singulier, on ne met pas de S. Là, on a la règle du S pluriel qui s'applique. On met un S quand les mots sont au pluriel, sauf que pour 100 et 20, il faut qu'ils soient les derniers mots du nombre, sinon ça ne marche pas. Premier exemple, 405, on a bien 4 paquets de 100, mais comme il y a un mot derrière, on ne met pas de S à 100. 400, 100 sans S, 5. Deuxième exemple, 400. Cette fois-ci, on a toujours 4 paquets de 100, donc c'est bien au pluriel. Et comme il n'y a pas de mot derrière 100, on y met un S, 400 avec un S. 84, 84, on a bien 4 paquets de 20, mais on a un mot derrière, donc pas de S à la fin de 20. Et enfin, 80 tout seul, on a 4 paquets de 20, donc c'est au pluriel. Et comme c'est le dernier mot du nombre, on met un S, là ça fonctionne. Donc les deux premières règles, mettre un tiret entre tous les mots du nombre et mettre un S à 100 et à 20 seulement s'il n'y a rien après. On continue. Ne jamais mettre de S à 1000, il est invariable. Ça veut dire que quelle que soit la place du 1000, même si c'est le dernier mot, on ne met pas de S. 1000 n'a jamais de S. Ça, il faut se le rentrer dans la tête. C'est une règle qui ne varie jamais. Donc dans 3000, même s'il y a 3 paquets de 1000, on ne met pas de S. Dans 2850, même s'il y a 2 paquets de 1000, on ne met pas de S. Ça, c'est simple à comprendre. Quelques exemples de choses qui peuvent vous être demandées. Il n'y a pas 36 possibilités, il n'y a pas plusieurs exercices différents pour les deux compétences. Donc je sais écrire un nombre en lettres et je connais les règles d'écriture des nombres en lettres. C'est les mêmes types d'exercices qu'on va vous demander, c'est-à-dire vous avez un nombre écrit en chiffres, vous devez l'écrire en lettres. Donc faites attention aux trois règles, les tirets, les S à 100 et à 20, s'ils sont au pluriel, c'est les derniers mots, et jamais de S à 1000. Et ensuite, il faut faire attention à l'orthographe des mots qu'on utilise. Donc pour ne pas se tromper dans ce genre de choses, je lis le nombre dans ma tête, 6520. Ensuite, j'écris chaque mot l'un après l'autre en repassant le nombre dans ma tête. Donc 6520, 6, 1000, 5, 120. Et au fur et à mesure, je fais attention aux règles. Au fur et à mesure que j'écris les mots, évidemment. Donc 6520, ça donne 6520. On met un tiret entre tous les mots du nombre, entre 6 et 1000, entre 1000 et 5, entre 5 et 100, entre 100 et 20. Je ne mets pas de S à 100 parce que ce n'est pas le dernier mot du nombre. Et 20, c'est le dernier mot, mais là, il est au singulier, il y a un seul paquet de 20.
Donc pas de S. 6520, ça s'écrit comme ça. Allez, deuxième exemple. Donc je fais attention, je le lis dans ma tête, je prends mon temps. 30 600 180. Ensuite, je le relis mot par mot et j'écris les mots au fur et à mesure. 30 600 180. On fait attention à plusieurs petites choses. Le mot apparaît, voilà, 30 600 180. Le mot milliard, ils n'obéissent à aucune règle particulière. Ça veut dire que s'il y a plusieurs paquets de millions, on met un S. Si on n'a qu'un seul, on n'en met pas. C'est la même chose pour milliard. Donc, 30 millions, je mets un S à million parce qu'il y a 30 paquets de millions. 600 000, je mets pas de S à 100 parce qu'il y a encore des mots derrière. Je mets pas de S à 1000 parce que 1000 est invariable. 180. Je mets un S à 20 puisqu'il y a 4 paquets de 20 et que 20 est le dernier mot du nombre. Voilà pour ces exemples. J'espère que vous avez tout bien compris. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon de numération et d'ici là, travaillez bien!